on a vu Ganga tout à l'heure, il est effectivement encore tout à fait chaud patate, si vous me passez cette expression. Et on sait que Schlager, en face, ça joue toujours. Hein. Oui, je crois que ça va être un beau match aussi ici. Et Krianga ne va peut-être pas. La seconde demi-finale de cette édition 2018 de l'ITTF Legends Tour, organisée donc par Philippe Sève, que l'on avait à notre micro il y a quelques minutes et qui nous disait toute sa satisfaction sur le déroulement de la soirée, sur le niveau de celle-ci, à la fois au niveau... Elle le mérite. Hein. Oui. Ouh. Bon petit démarrage. Il a expliqué que ses services, il les rêvait quand on lui demandait mais comment tu vois. Si ce n'est qu'il n'a pas fait le point, on est d'accord, mais voilà. Et Schlager qui mène 3-1. À mi-distance, tous les deux. Donc il reste vraiment lui complètement actif dans le milieu. Ouais, du tennis. Oh, le retour. Maintenant, il faut savoir maîtriser le lancer. Et voilà le revers de Krianga qui est quand même toujours bien là. Bien à 4-5. Non, c'est 6-3 là. 6-3 pour Krianga. Alors j'aurais dû faire confiance à mes notes parce que vous avez une vue sur le marquoir. Voilà, pas trop. Voilà. Mais... Moi je suis bien mise. Moi je vois tout. Je n'ai pas besoin d'écrire. 7-3 pour Krianga. On est bien d'accord. On va faire la différence au début du match. Nous en a déjà fait 3-4 de différents. Hein. Oui. Oh. Oula, oula, oula. Et il fait le point. Ça, c'est joli. En faveur de Krianga. Le point du 7. Et voilà, ça revient. Ouais. Ça sort. Mais non, ça sort, oui. 1-2. Ça monte haut. Elle a touché le filet. Oui. Droit, donc il n'est pas assez régulier. Je ne sais pas non plus où il en est au niveau tennis de table. Est-ce qu'il joue encore régulièrement? Ça prend le quoi, c'est là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il fait quand même beaucoup de fautes. Ah, une belle attaque de Schlager. Qui va servir de ce côté-là depuis le début de la partie. Ah oui, et c'était une belle accélération, mais le filet pour Krianga. J'ai l'impression qu'on top sur... 8-6. 9-6. Schlager ne laisse pas filer celui-là parce que... Oh, dommage. C'est un peu gourmand, oui, ça, non? C'est un peu gourmand, c'est fort risqué. Et ça donne une balle de 7 à Krianga. Ah, les supporters pour Schlager. Oui.
Il fait le point du deuxième set. Ouh, oh, elle prend le coin de la table. Belle petite défense. Non. Ah non, ça ne marchera pas deux fois. 11-9 dans ce. Il mène 2-7 à 0 face à Schlager. Yep. Oh. Oh. Il est gourmand. Alors que vous voyez que Yang Yiliang et Jean-Michel Sèvres discutent. Elle est mal lancée au départ. Et... ouais. Il demande au public, tu veux, encore je lance bien haut. Alors, va-t-il le faire ou pas? Concentration. Bluff ou pas? À mon avis, il va. Ah, si. Oui, elle se montre très haut. Et ça fait le point. Ouh là là. Et là, il est gourmand. Oh, quelle belle chance. Il est impatient. Il veut chaque fois terminer le point. Oui. Et... Jean-Michel Sen. Il est à un point de la finale face à Jean-Michel. Et ça tourne, hein. Ouais. Allez, je vais encore essayer plus haut. Plus haut, ouais. Encore plus haut. Il y a quand même des lampes et des et des poutres là plus haut, métalliques. Donc s'il va coincer la balle là, et regardez sur l'écran comme ça va aller haut. Et elle est passée cette fois. Et de toute façon, il ne faisait pas le point. Et donc voilà, victoire comme l'avait pronostiqué Cécile de Créanga, dont on a bien compris depuis le début de soirée qu'il est vraiment fit and well. Hein. Oui, on voit bien qu'il est au-dessus au niveau entraînement, au niveau régularité. On voit que dès le début du match, qu'il est au-dessus des deux autres contre qui il vient de jouer.